Bonjour, bienvenue à la une de l'actualité de ce jeudi 31 octobre 2025. Avec le journal Le Soleil, le journal Le Soleil revient avec le marché financier international. Le Sénégal mobilise 181 milliards de francs CFA. Toujours restons en politique avec Ousmane Sonko à Brikilane. Ousmane Sonko affirme de vouloir mettre fin au vol de bétail. Justice Bogan Daniguey obtient le sursis et la liberté. Journal Le Quotidien. Journal Le Quotidien revient avec le nouvel emprunt du Sénégal. Le Sénégal a fond la caisse. Le pays lève 181 milliards après la suspension de son programme avec le FMI. JP Morgan encore intermédiaire comme le dernier Eurobond. Toujours restons en politique, affrontement entre les militants de PASTEF et de l'APR à Kungel, des blessés et des dégâts. Tambacounda, Bougan condamné 2 mois de sursis, Bougan débute sa campagne. Journal La Libération. Le journal La Libération revient avec les perspectives économiques du Sénégal. Les perspectives économiques du Sénégal. Le FMI table sur un taux de croissance de 9,3% en 2025. Toujours avec la libération sur la piste des 7 300 milliards de francs CFA envolés entre janvier et mars 2024. Toujours avec le journal La Libération, Kungel, le convoi de Sonko attaqué, Gakko blessé. Les assaillants poussés à la fuite après une riposte, leur véhicule saccagé. Bougan recouvre la liberté. Bougan condamné à 1 mois de prison avec sursis. Le journal Enquête. Le journal Enquête revient à la une de son journal. Assemblée nationale Sénégal entre Gouloir et Kao. De Lamine Gueye à Caroline Faye, ces hommes et femmes qui ont façonné le Parlement. Quand les débats s'enflamment jusqu'aux altercations, les plus jeunes députés défient les codes. Toujours avec le journal Enquête, visage députable Dr Abdoulaye Niane et Maxe Mbaye, deux parcours au même défi. Bougan jugé hier à Tambacounda, Bougan reste éligible. Les Lions du Sénégal, Boulaye Dia en perte de but. Le journal 5 sur 5 Hebdo revient aux législatives, ruée du système vers PASTEF. La transhumance souille le projet. Samba Ndiaye, l'arbre qui casse la forêt. Mensonges et reniements, tortillosité, le cadeau de nos politiciens vaut-il encore le COPEC? Restons toujours avec 5 sur 5 Hebdo. Point d'histoire, Moy Nouria, qu'en reste-t-il de Yasser Arafat et du nationalisme palestinien? Le journal Site Quotidien qui revient sur le marché financier international du Sénégal. Le Sénégal lève 181 milliards francs CFA. Condamné à 1 mois de prison avec sursis pour refus d'obtempérer, Bougan libre de battre campagne. Le juge allégé le réquisitoire du substitut du procureur de la République qui avait requis une peine de 3 mois ferme assortie d'une amende de 500 000 francs CFA. Restons toujours avec la politique. Amadou Ba, tête de liste nationale de Diamak Ndiering, il est temps que les Sénégalais corrigent l'erreur du mois de mars. C'est ce qu'a laissé Amadou Ba. Toujours avec l'amélioration du cadre juridique de la déclaration du patrimoine, l'OFNAC mise sur une appropriation des nouveaux textes par les acteurs. L'observateur qui revient avec Bougan Daniguey. Bougan, après sa sortie de prison, défendre le pays vaut-il comme la liberté? Ce qui est plus important, c'est la victoire. C'est ce qu'a laissé savoir Bougan Daniguey après sa sortie de prison. Violence électorale à Kungel, récit d'un jour de sang, plusieurs blessés, des voitures et des motos Jakarta vandalisées. Le centre de santé transformé en théâtre de gladiateurs. Maliki Gakko, victime d'une fracture ouverte à l'avant-bras gauche.
Toujours avec l'observateur qui revient, bâtiments et travaux publics, ciment la grosse crise. Les chiffres alarmants d'une baisse de production de 25%. Entretien avec la DGE et les secrets de la gestion du vote dans les zones sinistrées par les crues. Biram Sène dit tout. Walfa Quotidien qui revient à la une de son journal. Le leader de Gamsa Bop écope un mois de prison avec sursis. Bougane relâché. Bonne gouvernance. Samassa Kadou corrige le projet. Kungel le convoi de Sonko Kayasé. L'Héral Info qui revient à sa une du journal. Assemblée nationale Kaolack prête pour le changement avec Abdou Karim Sall. Après les étapes de Touba et Mbaké, c'est à Kaolack que l'équipe de Abdou Karim Sall a tourné, a écouté les habitants, échangé sur leurs besoins et partagé ses ambitions pour un Sénégal de progrès. Toujours avec la campagne électorale à Kungel, le convoi de Sonko attaqué. Maliki Gakho gravement blessé. Restons avec Bougan Dany Gueye qui, après son interpellation, refuse d'obtempérer. Bougan condamné à un mois avec sursis. Le journal Les Échos qui revient à sa une de son journal. Le leader de Gamsa Bop, Keith Tamba. Bougan Gueye triomphe. Il a été relâché au bénéfice du doute pour la rébellion et relâché pour outrage à agent. Les gendarmes témoins des faits l'ont blanchi. Pour refus d'obtempérer, il a été condamné à un mois de sursis et 100 000 francs d'amende. Campagne électorale, la coalition de Macky à la traîne, aucune caravane nationale. Doudou Wade promet du neuf. La 12e législature était mauvaise, la 13e a été pire, mais la 14e législature a été une catastrophe. Violence inouïe dans la campagne électorale, le cortège de Ousmane Sonko violemment attaqué à Kungel. Maliki Gakho victime d'une fracture ouverte à l'avant-bras gauche. Les agents du GIGN ripostent violemment, les assaillants fuient, le véhicule caillassé. Fantassal dément. Ce sont ces éléments qui nous ont attaqués. On a 9 blessés graves. Nous allons porter plainte contre Ousmane Sonko. Le journal Source A qui revient avec le jugement de Bougan. Le juge déchire le réquisitoire d'émettre des poursuites et relâche le leader de Gamsa Bop pour les chefs d'accusation de rébellion et outrage à agent. Bouc terrasse le proc. C'est ce qu'a laissé le journal. Contrat de législature de Samassa Kadou, l'offre alléchante de Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz et compagnie promettent de redéfinir les conditions d'attribution des marchés publics par la mise en application d'une discrimination positive en faveur des entreprises locales et communautaires. Toujours à violence à Kungel contre la caravane de Ousmane Sonko, une attaque instantanée. Malgré les faits qu'Ousmane Sonko soit flanqué d'éléments de GIGN, des assaillants ont lancé un assaut contre la caravane de passeurs. Maliki Gakho parmi les blessés. Anta Babacara consterné. J'ai souffert en voyant le procureur se débattre pour fonder ses charges contre le président Bougan. C'est triste de soumettre nos magistrats à ce type d'exercice. Restons avec le journal Réumi Quotidien Sport Plus. Réumi Quotidien Sport Plus revient sur la participation d'Edouard Mendy. Prochaine rencontre des Lions en novembre. Une incertitude plane sur la participation d'Edouard Mendy. Ballon d'or 2024, révélation sur le coup de fil de France Football au Real Madrid. Journal Le Record qui revient à sa une de son journal avec la Ligue Cup. La Ligue Cup, auteur d'un splendide but de Pape Matar met à genoux les citizens. Futur sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Fall veut succéder à Aliou Cissé.
Hubert Velud et Philippe Montagnier également. Point Acti Esport qui revient avec la Carabao Cup. Première très réussie pour Van Nistelrooy à Manchester United. FC Barcelone, la direction veut offrir une nouvelle star à Hansi Flick. Wolfa Grand Place qui revient aussi à sa une de son journal avec la libération de Bogan. Un mois avec sursis et amende, Bogan gagne et crée la honte au gouvernement. C'est ce qu'a écrit le journal Wolfa Grand Place. Libération de Bogan et violence électorale, Mounjaï Cissé salit le verdict d'apaisement et condamne l'attaque du convoi de Pastef. Législatif 2024, le COSEF déplore l'absence des femmes en tête de liste nationale. Récupération des fonds publics présumés détournés, passe d'armes entre Abdoul Mbaye et El Malik Ndiaye. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous à demain.